musée de Montreux. Alors, d'après mes recherches, cet objet, c'est un dé à coup de géant pour malvoyants. Comme ça, ils l'avaient bien en main et c'était facile pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, professeur, je ne suis pas sûr, parce que je pense que tu vois les choses à l'envers. Tu vois, dans ce sens-là, pour ma part, ça devait s'utiliser dans le domaine horticole plutôt. C'est évidemment un cache-cache-pot en forme de pot. Très pratique pour cacher le cache-pot en forme de pot. Ah, cache-cache-pot. Ah ouais, pourquoi pas. Bon, vos subtilités sont intéressantes, mais écoutez, non, je crois que c'est quand même bel et bien dans ce sens. En fait, c'est un objet qui montre qu'il y avait déjà des mammouths à l'époque préhistorique à Montreux et que le montreusien avait apprivoisé le mammouth. C'est en fait un plombage dedans pour mammouth. Vous voyez, on en prenait soin. Il faut dire qu'un mammouth avec une carie, c'était pas facile à contrôler, donc il valait mieux. Oui, alors finalement, cher public, vous êtes là. Dites-nous ce que vous en pensez. On adore.